Salut mes amours, comment ça va? Bienvenue à cette chaîne, à ce vidéo. Et aujourd'hui, on a un tutoriel de maquillage avec ses couleurs violet et aussi blanc. Mais avant de commencer ce vidéo, n'oublie pas d'abonner et on va commencer avec ce vidéo. Maintenant, je vais passer à faire mes sourcils avec le NYX Fill & Fluff dans la couleur noire. Et on va vite faire les sourcils. Avant d'appliquer les couleurs pour les yeux, je vais utiliser ce illuminateur correcteur crémeux dans la couleur 10 clair de Maybelline et je vais prendre ça sur mes paupières. Première couleur qu'on va utiliser pour les yeux, c'est cette couleur violet un peu foncé et on va l'appliquer ça sur la paupière supérieure. Et on va le diffuminer peu à peu parce que c'est vraiment une couleur violet foncé. Je vais commencer à seulement travailler la couleur et diffuminer peu à peu cette couleur violet jusqu'à on a quelque chose comme ça. Et je crois que seulement avec cette couleur, je vais seulement travailler la couleur violet. Je ne veux pas vraiment que la couleur soit vraiment, vraiment intense. Et maintenant, on va continuer avec une autre couleur. Je vais utiliser donc la palette de Too Faced White Chocolate Bar. Et je vais prendre la couleur Glaze. C'est une couleur blanche. Appliquer comme ça sur ma paupière mobile. J'ai vu maintenant que mes ongles sont de la même couleur que le violet qu'on a utilisé pour ce maquillage. Maintenant pour l'autre blanc, je vais utiliser la palette de Morphe Everyday Chic 35C et je vais prendre cette couleur blanc avec du brillant qui s'appelle Cheers to you. Couleur avec mes doigts parce qu'avec le pinceau ça n'a pas travaillé le blanc comme je voulais et ça va donner un autre blanc avec ce petit brillant. Prendre une autre fois ce correcteur crémeux de Maybelline avant de commencer avec la teinte. Je vais seulement le travailler avec mes doigts. Deux teintes que je vais utiliser pour ce maquillage, c'est la teinte de CoverGirl Clean Fresh Peau Santé dans la couleur moyenne 560 et je vais prendre aussi la teinte de Maybelline Dream Radiant Liquid dans la couleur Vanille 5 et je vais prendre ces deux teintes parce que une est trop foncée. The CoverGirl est trop foncé et la des Maybelline est un peu claire pour ma peau. J'ai fait la même chose avec la teinte de Maybelline. Je l'ai pris sur tout mon visage et on va commencer à le diffuminer. Et pour le correcteur des yeux, je vais utiliser ce correcteur de e.l.f. Camo Concealer. Vous savez que j'adore ce correcteur. Seulement le diffuminer. Alors je vais contourner mon visage avec la palette de Tarte qui s'appelle Parquet Princess et on va seulement à commencer et à contourner le visage. Et pour les cils, je vais utiliser de Ardell Double 113. On va laisser sécher les cils et donc on va passer à l'autre couleur violet et je vais utiliser ce violet de Morphe qui s'appelle Playtime. Je vais prendre cette couleur en bas de mes yeux et c'est cette couleur violet un petit peu plus foncée que le violet intérieur qu'on a utilisé. On va seulement le travailler en bas de les yeux. Prendre ce mascara de L'Oréal qui a du collagène pour combiner mes cils avec les faux cils.
Pour les cils d'en bas, je vais prendre le mascara de L'Oréal Voluminous Million Lashes Excess. Pour le setting spray, je vais utiliser de Milani Fruit Fetish Make It Last dans l'odeur mangue et noix de coco. Pour illuminer mon visage, j'ai utilisé la palette de Urban Decay et je vais prendre la couleur cliché. Pour illuminer le coin de mes yeux, je vais utiliser la palette de Jadis Oh My Glow et je vais prendre la couleur Snow Dust parce qu'on est déjà dans les couleurs blancs. Et pour finir ce maquillage, on va passer avec les lèvres. Donc je vais utiliser le NYX Butter Gloss dans la couleur Raspberry Tarte. Ça c'est tout pour ce vidéo, j'espère que vous avez aimé les couleurs violet avec le blanc. Le blanc m'a directement transporté à l'hiver, à décembre, à Noël, mais j'ai vraiment vraiment aimé le maquillage avec les couleurs violet, le blanc, les lèvres, je ne sais. Mais j'ai vraiment aimé ce maquillage. Avant de vous laisser, n'oubliez pas d'abonner, de liker. Je vous vois donc dans une autre vidéo. Au revoir.